Yo les petits potes, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. Pour ceux qui me connaissent vraiment, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand fan des modes simulateurs sur Roblox. Les modes de jeu où est-ce que vous pouvez passer des heures à farm, quitte à mettre un autoclic pour être le plus haut niveau et défier vos potes pour être le plus gros level sur le serveur. Bref, tous ces modes de jeu super addictifs sur Roblox, j'en suis extrêmement fan. Et l'un des plus grands rêves que j'ai, c'est de créer ce genre de mode sur Garry's Mod. Et comme vous êtes extrêmement nombreux à me demander de créer un serveur avec chat GPT de A à Z, et bien voilà, on y est les amis, je me suis lancé comme défi de créer un simulateur Roblox sur Garry's Mod. Dans cette vidéo, je vais vraiment avoir besoin de vous, pour plusieurs choses. La première étant que j'ai créé un Discord qui est en première ligne en description, c'est un Discord qui est aussi anglais comme français, parce que le but c'est de proposer des simulateurs disponibles dans plusieurs langues. C'est hyper important pour moi que vous rejoigniez le Discord les amis, c'est dessus que je vais avoir besoin de vos suggestions, que vous allez pouvoir voir la progression du serveur entre chaque vidéo. C'est un concept de vidéo qui va sortir sur plusieurs semaines, ça va mettre un petit moment. Là, actuellement, j'ai déjà la map, j'ai déjà tout le concept qui est fait, je vais vous montrer dans quelques instants. Je compte bien sûr sur vous pour lâcher votre petit like à cette vidéo, me proposer aussi en commentaire des idées d'amélioration si vous ne pouvez pas rejoindre le Discord, c'est hyper important pour moi. Je souhaite, grâce à ce nouveau concept sur la chaîne, proposer un serveur qui vous ressemble avec vos idées, j'écouterai bien sûr tous vos commentaires. J'espère que cela vous fera autant plaisir que moi de suivre l'avancement de ce projet et on est parti tout de suite, je vais vous montrer justement les progressions que j'ai fait. J'ai installé une bonne petite base grâce à l'aide de Théo aussi qui m'aide dans ce projet. Allez, je mets tout de suite mon petit casque et je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors nous y voilà, j'ai choisi une GM Construct modifiée inspirée du thème de Roblox. Comme vous pouvez le voir, il y a des couleurs qui sont assez dynamiques. Ça va offrir beaucoup de potentiel, comme par exemple pouvoir créer des hôtes de boss ici qui vous rapporteront des bananes, parce que oui les amis, je vous ai pas expliqué le concept de base quand même de cette vidéo, mais le but ça va être de farmer les bananes, les banana coins les amis. Pour vous expliquer simplement, comme vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran, il y a un système de prestige, un système de niveau et les points Onyx. Les points Onyx, pour faire simple, c'est ce menu-là qui vous permettra d'acheter des skins directement dans ce point shop. Il est pour le moment pas complet, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions au-delà des skins, des choses qui peuvent être fun à ajouter. Pour le système de prestige, c'est inspiré du système du Game Mode Base Wars, un level égale un prestige. Donc pour être prestige 2, il vous faudra être le niveau 2, pour être prestige 3, le niveau 3, prestige 10, il faudra être niveau 10 et ainsi de suite. Plus vous allez de prestige, plus avec cette petite arme que j'ai dans les mains, regardez, bah bah bah, petite animation en haut, là actuellement je suis prestige 1, je gagne 18 bananes. Mais si je m'empresse de cliquer sur le bouton prestige juste en haut, là on a un menu qui est super moche mais qui est fonctionnel. Je passe un prestige, vous pouvez voir en haut de la droite en passant le prestige que ça m'indique le prochain niveau nécessaire pour passer un prestige et le bouton sera alors multicolore, vous indiquant bien visiblement qu'il faut passer le prestige. Actuellement avec l'arme je gagnais du coup 18 bananes, mais maintenant que je suis prestige 2, regardez, j'en gagne 26, donc les niveaux sont beaucoup plus faciles, vous m'entendez farmer comme un bourrin sur mon clic parce que je suis beaucoup trop addictif. Bon, c'est Retox en off, j'avais oublié une petite mise à jour, mais regardez, quand vous farmez les bananes comme ça, vous avez des petites particules autour de vous, ça aussi on l'ajoutait tout à l'heure, j'avais oublié de vous montrer. Pour moi, c'est un mode de jeu qui va être vachement addictif, comme vous pouvez le voir, il y a une progression, je ne m'en lasse pas, les petits messages d'erreur qui sont affichés en haut à gauche, ne vous en faites pas, vous ne les verrez pas en jeu. Dans les idées qu'on a pour le moment, je compte rajouter des options pour pouvoir vous permettre de faire un autoclic si vous êtes par exemple VIP sur le serveur, on verra plus tard, ou aussi vous proposer un système de rebirth, de prestige automatique, comme ça vous n'avez même plus besoin d'ouvrir le menu, vous passez automatiquement le prestige. Il y a énormément de choses à faire les amis, des combats de boss, des plateformes où vous tapez contre des punching balls et ça vous rapporte de l'XP en plus, adopter un familier, bref, lâchez-vous dans les commentaires. Et rejoignez bien le Discord pour voir toute la progression, encore une fois, c'est là-bas que tout va se passer. Je compte sur vous pour faire exploser cette vidéo les amis, vraiment partagez-la au maximum, c'est du jamais vu sur Garry's Mod d'avoir un simulateur inspiré de Roblox directement sur Gmod. On va essayer de vous rendre actif mais tout en gardant une vie sociable, c'est super important quand même de prendre des douches de temps en temps. Mais croyez-moi, moi je vais être AFK H24 dessus. De temps en temps, je mettrai mon autoclic, ça sera réglé et je serai le premier dans les classements parce que oui, on va faire en sorte de mettre des classements et de vous donner des récompenses en fonction de ça. Écoutez, voilà les amis pour ce qui est de la petite présentation, on se retrouvera très régulièrement chaque semaine donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre le développement de ce projet. Je vous dis à très vite la famille, moi je suis super enthousiaste à l'idée et j'ai vachement hâte. Croyez-moi, dès ce soir, il y aura déjà des nouvelles mises à jour publiées sur Discord. Allez, tchuss tout le monde, prenez soin de vous.